Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Full Throttle live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Par ici. Ben. Par ici. Ben, je n'ai pas le temps de parler. Vous savez, ça pue un max là-dedans, mais j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Vous devez m'aider. Allez voir mon éditeur à Corville et dites-lui que j'ai des photos du meurtre de Corley. Vous avez des photos? Oui, mais un voyou m'a volé ma caméra. Alors vous n'avez pas de photos? Non, mais j'ai suivi le type jusqu'à Mullanwade. Mais je ne veux pas aller là-bas. Il me tuerait. Allez voir mon éditeur, il doit me sortir de là. Prenez cette fausse carte d'identité pour passer les barrages. Ma carrière dépend de ces photos. Aidez-moi, Ben, vous êtes mon seul espoir. Oh, vous minez pas. Je vous dois bien ça. Si le voyou de Miranda est aussi celui qui a tout cassé chez Mo, c'est peut-être l'appareil photo de Miranda que j'ai vu là-bas. Mais alors, qui a piqué le film ? Eh, sortez de là, je veux vous causer. Pas question, c'est beaucoup trop dangereux. Non. Non, il peut se les aplatir lui-même. Écoute, je vais te dire ce qui s'est passé. Je t'ai déjà dit. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fausse carte d'agent du FBI. Elle pourrait servir s'il y a des barrages. Alors on y va? Et si jamais ils fouillent derrière et qu'ils trouvent ma bécane? Elle est sous un tas d'engrais concentré en poudre. Croyez-moi, personne n'ira fouiller dans cette saleté. Bon, vous allez vous mettre dans le moteur. Hein? Dans le moteur? Ouais, je trafique toujours plein de trucs grâce à ça. Et des trucs qui valent plus cher que vous. Alors si vous mettez vite votre carcasse là-dedans, nous pourrons arriver à ce ranch du Vison avant l'aube. J'espère que vous êtes meilleur avec un levier de vitesse qu'avec un couteau. Ouais, ouais. Il y a une fuite de fuel. J'adore les feux de moteur. Désolé, mais personne ne peut aller plus loin. Police uniquement. Je bosse avec les fédéraux, mon vieux. Venez vérifier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une opération ultra secrète d'offensive agricole. Qu'est-ce que vous transportez? De l'engrais. Bon, ça va, allez-y. J'espère que vos cutéreux attraperont votre homme. On roule plus. Y a un problème ? C'est un tuyau mal fixé, rien de grave. J'ai déjà sorti votre moto. Elle est là-bas. Bon, ben, c'était sympa, mec. Mais je dois y aller, j'ai encore de la route à faire. Oh oh. Il y avait bien une fuite de fioul. Et il m'a piqué mon tuyau. Ce routier va me le payer de sa vie. Je peux pas l'ouvrir.
Je n'ai rien. Il n'y a pas de tête de mort. J'ai déjà assez de cicatrices pour ne jamais oublier cette... Il y a plein de bécanes. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Il y a une photo de Maureen avec Malcolm. On dirait qu'il répare une bécane. Il y a plein de bécanes. C'est l'emblème des charognards. J'ai du mal à croire que Mo était dans la bande des charognards, mais finalement... Sinon, comment on aurait pu avoir ce booster? Et un tuyau que je pourrais utiliser sur ma bécane. Je crois que Mo m'en voudra pas si je vais en prendre ça. Le carburant de mon booster. Pourquoi veut-elle me semer? Je dois penser que le monde entier est contre elle. Je crois que je sais comment... Bon, ça suffit. Il est mort. Ce panneau. Il veut dire que je suis dans le territoire des cavernes. Lentue. Cette cargaison n'a aucun intérêt. Nous avons été brûlés, mes frères. Rentrons à la grotte. L'endroit a l'air désert. Le boss a pu se tromper. Elle ne viendra pas ici. Elle va venir. Nous sommes arrivés avant, c'est tout. Alors... Quel bordel puant! J'aime pas marcher.
On dirait qu'Emmett a déchargé ici. Je t'ai pas revu depuis que t'as quitté les putois. Hey Ben, comment va le gang? C'est une longue histoire. Mais si. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais Ben, la retraite, c'est rasoir. Alors je me suis dit, va sur la route de la vieille mine pour chercher la bagarre. Tu cherches la bagarre ici? C'est à ça que sert la route de la vieille mine, fiston. Pépé Soupape, j'ai besoin de ton aide. Le gang est en prison et la loi... Je suis plus le chef des putois, Ben. C'est toi, maintenant. Tu ne vois pas que je suis en vacances permanentes? Tu connais des trucs pour la baston, Soupape? Allez, Ben, c'est toi le plus fort, non? Ouais, mais ces pourrables sont encore plus cruels. Mais ils sont pas très intelligents. Je suis sûr que tu pourras t'en sortir. Les charognards sont rapides et idiots. Ceux qui ont des boosters sont durs à rattraper. N'oublie jamais que c'est pas toujours une question de muscles, Ben, mais aussi une question de timing. Qu'est-ce qu'ils ont, ces caverneux? Fais gaffe, Ben. Ils ne sortent pas pour le sport. Ils piquent toujours les gros accessoires. Ça fait partie de leur religion. Évite-les. Ils sont des tueurs aveugles. Cœur de pierre. Comment font les caverneux pour conduire s'ils sont aveugles? En fait, s'ils ne portaient pas ces lunettes spéciales, ils ne seraient pas aveugles. Il y a des capteurs spéciaux dans leurs lunettes pour détecter des points sur la route. Et d'autres repères qui leur permettent aussi de s'orienter. C'est dingue, hein? Tu sais si on peut contourner la gorge de Poyahoga? La contourner? Elle mesure des dizaines de kilomètres, Ben. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les ponts? Il a sauté. Oh, et dire que j'ai raté ça. Eh ben, tu pourrais sauter par-dessus. Ricky Miran, les caverneux ont toujours sa rampe dans leur repère, tu sais. Où se trouve le repère des cavernes, exactement? Quelque part sur cette route. Mais l'entrée est totalement invisible sans le matériel spécial des caverneux. Parler, Ben. J'ai bouffé trop de moustiques. Bon, à plus, Pépé. Montre-leur ce que tu sais faire, putois. Non.
J'ai comme un pressentiment. Je parie qu'il n'y a plus de pont. La combinaison de vol expérimentale du professeur Papillon. Une des nombreuses victimes de cette gorge. Le célèbre saut de la gorge de Ricky Miran. La dernière photo du professeur Papillon de son vivant. Avertissement. Les sauts au-dessus de la gorge de Poyahoga sont absolument illégaux et extrêmement dangereux. Nous vous conseillons plutôt d'utiliser le pont de Poyahoga pour franchir la gorge. Et soyez prudents sur la route. Équilibriste, parapentiste, projectile humain. Nombreux sont ceux qui ont tenté de franchir la gorge de Poyahoga. Et rares sont ceux qui ont réussi. Mais Ricky Miran, la torche volante, a réussi à franchir la gorge sur une moto Corlet de série. En fait, on découvrit plus tard qu'il avait modifié sa Corlet d'origine, en rajoutant un prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe Destroyer, et un système de soufflerie. Miran a déclaré qu'il serait d'accord pour tenter encore ce saut et laver son honneur bafoué. Mais sa rampe de lancement spéciale a été volée par une mystérieuse bande de motards. Un booster et une soufflerie d'Overcraft? Merci pour l'astuce, Rick. Ouais, c'est vrai qu'il me faut aussi cette rampe de lancement. Qu'il a de plus que moi, franchement. À part un booster, une soufflerie, cette rampe ridicule avec ses flammes grotesques et cette peinture fluo bien ringarde. Les belles machines, toi. Alors qu'est-ce que tu penses de celle-là? Oh, 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 o
quoi ça? Encore? Je vais te découper en rondelles. Je vais te réduire en bouillon. Bien, parler. Regarde cette débandade. Ah, Cavefish. T'en veux encore? Je vais te réduire en bouillie. Je vais te découper en rondelles. Prends ça!
chercher. J'ai une lunette. Fais pas de stéléo. Donc c'était tout pour aujourd'hui pour ce live sur le jeu Full Throttle, chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.